Yo, bien ou bof? Même quand tout doit bien se passer, il y a quand même des problèmes. Je comprends pas. Alors la victoire, elle est cool. On est heureux. Enfin, on est heureux. Même pas. Franchement, je sais même plus. Je comprends plus. Ça commence à me saoule. C'est une victoire, mais au final, c'est que ça a le même goût qu'une défaite. On a joué contre la Juve C, frère. Ils avaient 10 absents. On aurait dû les enfoncer. Même quand tout est censé bien se passer, moi, je me suis dit au début du match, il y a vraiment pas de raison pour que ça se passe mal. Eh bah si. Et Maccabi qui prend 4 buts en 10 minutes. J'ai envie de me dire qu'il y a anguille sous roche, mais en vérité c'est de notre faute. On n'a pas fait le taf ce soir. Moi t'as vu, tu me connais, j'aime pas être pessimiste. Hein. Mais avec la défense qu'on a là, si on tombe contre City, on va se faire perforer fort. Non là faut un gros réveil, hein, sinon c'est chaud. En plus on a bien vu qu'ils ont pas joué le match à fond jusqu'à la fin, il a fallu que Galtier se réveille. Poto, même nous devant la télé on était au courant avant Galtier. Dubaï, Galtier se réveille à la fin, alors je veux bien que les joueurs ils sont occupés à jouer. Mais Galtier, fais un effort toi aussi. Nous on est au courant avant lui. D'un seul coup il commence à faire des grands gestes à la fin du match. N'importe quoi, je t'ai dit, cette victoire elle a le goût d'une défaite. Y'a qu'à nous que ça arrive ce genre de scénario de ouf. Bon alors maintenant les adversaires potentiels c'est qui? Naples, Porto, Bayern de Munich, le Real Madrid, Chelsea, Manchester City. Alors tu vois dans toutes ces équipes, bon c'est tous des grosses équipes puisque depuis que les Sardines se sont fait jeter comme des malpropres de la Ligue des Champions, y'a plus de petites équipes. Ok, mais y'a quand même quelques équipes qui sont plus abordables que d'autres. Mais tu vas voir qu'avec la Shkoumoun qu'on a, eh ben tu vas voir qu'on va encore tirer une grosse équipe. De toute façon, on vivra le tirage ensemble puisque je serai en live lundi. Après, il y a un autre élément à prendre en compte aussi, c'est qu'il aurait été préférable de jouer à l'extérieur d'abord et ensuite de recevoir à la maison. Bah là, ça va pas être le cas puisqu'on est deuxième. Ça aussi, c'est relou. Quelle désillusion! Quel match sans intensité! Non mais sans déconner, c'est pas à la fin du match qu'il faut se demander si on a marqué assez de buts. On a d'abord pas été fichu de gagner contre Benfica et maintenant, on galère face à la pire Juve de l'histoire. Non, franchement, c'est abusé. Et puis, t'es mal à poisse, on est des poissards de ouf. Franchement, y'a qu'à nous que ça arrive des scénarios comme ça aussi. Grave relou. Comme c'est bizarre. Vous trouvez pas ça bizarre que Maccabi Haïfa en prend 6 comme par hasard le dernier jour? Ça, c'est un travail de Shkoumounman. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais non, regardez là-bas, c'est Shkoumounman. Shkoumounman, quand tu crois que c'est dans la poche, Shkoumounman réplique et tout devient moche. Shkoumounman. Ta-da-da-da-da. On va se taper City en 8ème, j'en suis sûr. Et j'ai plus de Pepsi en plus. Fais chier, Shkoumounman. De toute façon, les gars, pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre tout le monde. Et puis comme ça, on va se faire secouer parce que... Et puis je m'en bats les notes, il fait chier, Shkoumounman. Mercredi. Voilà, encore une soirée grave ennuyeuse, un match pourri. Même quand tout est censé bien se passer, il y a tout kitschi. Même pas capable de se donner les moyens quand il y a un enjeu. Ils sont même pas allés chercher ce fichu 3ème but. Et Mbappé tard avec Messi, d'habitude ça fonctionne en l'absence de Neymar. Et bah sauf ce soir. Merci, Shkoumounman. Mais c'est pas grave, de toute façon il fallait que ça nous arrive, maintenant on va se ressaisir. De toute façon on a peur de personne. Go taper les plus redoutables équipes en 8ème. Bon tu vois là j'essaie de me ressaisir, mais je suis tellement déçu que j'ai du mal à te parler des bons points. Parce que bon, Marquinhos il a fait un bon match, ça me fait chier de le dire parce que en vérité c'était une soirée de merde. Mais Marquinhos il s'est ressaisi, je te parle même pas de l'entrée de Nuno Mendes. Lui il va faire du sale avec le Portugal en Coupe du Monde, je le souhaite, je lui souhaite, je l'espère. Même si on est bien d'accord que moi je suis à fond derrière les bleus, mais laisse ça. C'est autre chose. Et Bernat, oh, oh quel fiasco Bernat, il s'est fait malmener par Couloedo de Cool, je sais plus qui là. Bref, on a galéré face à la Juventus de tu rien du tout. Alors certes, on a été en dessous ce soir. On a été très très merdique même. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous on a peur de personne nous. Et s'il faut passer par là, eh ben on va y aller. Et maintenant c'est à eux de se battre et d'aller jusqu'au bout. Bon, tu vois, dommage, j'arrive pas bien à faire la voix de Stallone. Parce que là, si j'avais fait la voix de Stallone avec un petit peu de musique là, je t'aurais arraché une larmichette. Ah oui, et au départ, moi je me suis dit, mais attends, comment se fait-il que Paris soit deuxième derrière Benfica puisqu'on a le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls et surtout le même nombre de buts? C'est pas normal. D'autant plus qu'on sait tous qu'ils l'ont retiré la règle du but à l'extérieur là. T'es d'accord avec moi? Du coup, je me suis dit, soit ils ont fait plouf plouf, tout simplement, plouf plouf, ça sera toi au bout de 3, 1, 2, 3, mais comme la... Non, mais comme la reine est... Bon, non, en fait, non. Le problème, c'est qu'il y a que des princes au Parc des Princes. Ben oui, il n'y a pas droit. Réfléchis aussi, toi.
Du coup, ils se sont dit, on va la jouer à la courte paille. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas trouvé de paille. Du coup, ils se sont dit, on va la jouer à Shifumi. Mais le problème, c'est qu'il y a des tricheurs dans Shifumi. Ils jouent avec le puits, là. Ça existe pas, le puits. C'est pourri, cette règle. Du coup, ils ont dit, bon, c'est quoi? On va jouer au jeu de la pièce. Après, je sais pas, il y a eu encore un problème. Puisque dans leur short, ils ont pas de poche. Donc, ils ont pas de portefeuille. Donc, ils ont pas de pièce. T'es bête ou quoi? Bref. Donc, là, ils se sont dit quoi? Bah, c'est celui qui a la plus grosse qui sera premier. Et comme à Paname, il y a plus de Renoir que dans leur équipe, eh ben, ils se sont dit, c'est de la triche aussi. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement ressorti la règle du but à l'extérieur, en fait, voilà. Benfica a mis plus de buts à l'extérieur que nous, du coup, on s'est encore fait arnaquer, voilà. C'est ça, la vérité. Du coup, tu vois, tu prends tout ce que je viens de t'expliquer, là, tu réunis tout ça, tu rajoutes un petit chouïa de shkoumoun, hein, de poisse, là, et puis voilà, on l'a dans l'os. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Bref, si cette vidéo t'a plu, jeune freluqué, comme d'habitude, lâche un petit pouce bleu avant de partir, fais pas le varcreux, poton. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement puisque l'aventure continue. On connaît les bails. Salut! Kimi, cette fois, il nous fait une petite passe vers l'avant. C'est bien ça pour Ruiz qui décale tout de suite sur Solaire. Ça revient derrière. Verratti. Ah là, 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 ils ont l'air chaud là. Ils sont... Là, ça y est, on reprend un petit peu. Verratti à droite pour Ruiz. Ramos. Ah, ça me plaît bien là, j'aime bien. Verratti, Messi, Mbappé. Oh, il est passé. Oh, la faute. Faute, monsieur l'arbitre. C'est scandaleux. Oh, le but. Mais il y a but quand même. Oh, c'est incroyable. Oh, le but. La faute. Mbappé, il est parti quand même comme une furie. Incroyable action. Quelle action de folie. Ça commence bien, les poteaux. Eh, la dinguerie, la dinguerie. Mbappé sur le contrôle. Il efface tellement sale le mec que l'attrape. L'arbitre ne siffle pas et laisse l'avantage. Mbappé, il a enrhumé le mec sur le contrôle, il l'attrape. Eh, ça va finir sur les réseaux, les potos. Ça va finir sur les réseaux en mode. Eh, oh là là, Mbappé, de toute façon, Mbappé, vous vous rappelez de la photo de Piqué. Piqué quand il attrape le maillot. Mbappé, en mode Speedy Gonzalez. Mbappé, il est comme ça. Mbappé, il est comme ça, avec le maillot comme ça. Non, mais c'est abusé, vous avez vu ou pas? Eh, il y avait grave faute. Mais et ça, ça mérite un carton par contre. Hein. Et Mbappé, il part quand même. Bim! Poteau rentrant, ma gueule! Tu veux quoi? Ici, c'est Paname! Hier, c'était clownesque! Hier, c'était le cirque! Ce soir, c'est le football! Le vrai, le grand football! C'est ce soir, les poteaux! Et oui, vous croyez quoi, vous? Ils sont fous, eux! Kebab 4 viandes, ça existe? Ah! Mais non! De la tête de Cuadrado, le centre de la tête de Cuadrado qui était complètement tout seul. Il est archi tout seul. Cuadrado, il est tout seul, frère. Et le capitaine qui... Ah non, il peut rien faire sur ce but. Oh là là, c'est la merde. Solaire qui sort, remplacé par Nuno Mendes. Allez, on applaudit Solaire. On applaudit Solaire, on applaudit Solaire. Et on est content pour la rentrée des Kitikés. On applaudit Solaire quand même. Nuno Mendes à la place de Bernat, bah oui. Nuno Mendes, ça commence les problèmes. Mais non, ouais. Il a pas de temps. Il a pas de temps, ce mec. Il est incroyable. Je vous l'avais dit. Il m'a même pas laissé le temps de faire. Il m'a même pas laissé le temps de faire le re... Merci Nuno Mendes. Tu me rassures. Tu me refais ma soirée. Tu me refais ma soirée. Heureusement qu'il est là, la Luis. Nuno Mendes, il va faire du sac pendant la Coupe du Monde. Voilà. Attends, il est pas hors-jeu, j'espère. Non mais Nuno Mendes, c'est abusé. Hein, c'est abusé, Nuno Mendes. Efficace depuis le début de saison. Il déçoit pas. Il nous déçoit pas. Il déçoit pas, Nuno Mendes. Tout seul, il refait le match. Il déçoit pas. Oh là là, Nuno Mendes. Ah, les Portugais, ça va être chaud, hein, les Portugais. Allez, Donnarumma qui va dégager le ballon. Plus qu'un but à mettre pour Benfica. Non mais, vas-y, ça serait relou. Ouais, c'est ce que j'ai vu, Franck. Il semblerait que Benfica soit plus qu'un but de la première place. Ils vont se défoncer. Sanchez, Ramos. Allez les gars, faut marquer un but, ça serait bien. Et Kitike aussi, étiquette. Waouh, Hakimi qui se fait bousculer, c'est pas grave, le ballon est toujours parisien. Sanchez pour Vitinha, Vitinha qui décale à gauche pour Mbappé. Mbappé aussi, toi. Messi, Mbappé. Messi, Mbappé, ce soir, ça a pas fait d'étincelle de ouf, hein. Messi, Danilo, Sanchez. Sanchez en retrait pour Marquinhos. Nuno Mendes.
Oh là là, heureusement que Nuno Mendes il a marqué. Danilo, Vitinha. Mais non, Benfica ils ont pas marqué. Mais non, c'est de la triche. Mais c'est du trucage. C'est du trucage. C'est incroyable. Allez, Mbappé. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est du trucage. C'est du trucage. C'est du trucage. On voulait jouer la deuxième place, les gars. La première place, pardon. Galtier, il est en train d'être mis au courant. Bah oui, mais vas-y. C'est du trucage. Wow. Eh, Galtier, il a dit... Galtier fait des grands gestes à base de montée. Eh, Galtier, il est vénère. Eh, Galtier, il est parti faire des grands gestes, frère. Et voilà, c'est fini. Mais Galtier, tu te réveilles à la fin, frère. Même nous, on est au courant avant toi, gros. T'abuses. Même nous, on est au courant avant lui. Eh, c'est du trucage ou c'est sérieux, là? On dirait du trucage, un peu, hein.